les USA là qui passent sur la France. Là, ça fait quelques semaines là, où c'est comme ça. On essaie un nouveau cycle de propag, enfin bien avant, enfin pas mal avancé déjà. Dans le sens montant, voilà. Voilà, on est dans le sens montant d'un nouveau cycle. Alors, cycle solaire numéro 25. Il y a des infos sur Internet. Quand on pense que normalement la M est plutôt dédiée au QSO logo, ben, quand la propague est là, c'est que du bonheur. Suivant les endroits où on est sur la route, mais curieusement, sans même qu'il y ait d'obstacles, ça va passer plus ou moins bien. Tenant que ce soit plus calme. C'est leur fréquence d'appel TX. Ah. USA, Canada, Australie. Après, je sais plus. Ouais, il y a d'autres pays qui viennent se greffer dessus également. CQDX, appel de 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi qui vous propose un QSY sur le 27 625. CQDX, appel de 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde.
Je me suis mis là parce que j'ai des amis du Québec dont c'est leur fréquence. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est le groupe des talents. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Qu'est-ce qu'il y a comme moustache? Ça y va, les stations locales, ça y va! CQDX, appel de 14 km, 3301, qui vous propose un QSY sur le 27-325. 27-325. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Attention, les stations en fréquence pour 14 km, 3301 qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres.
puissance là. Ouais, il est en train de jouer avec ta puissance. For Dundee 23, break, break, break! Bon, allez, c'est bon. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. S73 for 23. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? À 73 for Dundee 23. Et c'est tous les jours comme ça. Oh, j'ai entendu le Canada juste avant. Mais bon, c'est tout petit là. Je sais pas si vous avez entendu. CQ X, appel de 14 km 3301 qui propose un QSY sur le 27 325. 27 325. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Libourne. Bon, ben c'est pas gagné là.
CQDX. Appel sur la fréquence moniteur des kilomacs pour 14 kilomacs 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Libourne. CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27 625. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Libourne. Quand ça veut pas, ça veut pas. Étonnant, hein, quand pourtant il y a de la propague. Mais c'est pas vraiment du francophone qui est loin de là. Là par contre ça tourne. Hein. Le 555 serait-il victime de son succès et du coup les gens sont partis voir ailleurs? Possible. De toute façon, du côté des 40 canaux, comme ça, on peut tout faire. Hein. On peut faire la même chose que sur les SUV. Hein. La preuve, ici, c'est une fréquence d'appel. Hein. CQDX, appel de 14 km 3301 qui vous propose un QSY sur le 27 325. 27 325. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Breakover. Eh bien, c'est pas grave.
Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 du pilote du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, sur le pont même, c'est assez cuiro dans les deux sens. Dans le sens de la montée après le pont, pour ceux qui prennent la rocade est, ça se corse, puisque visiblement tout le monde est à l'arrêt ou presque. Bonne fin de journée à tous! Je sais pas combien j'ai de cuir de mon côté, mais c'est quand même pas mal costaud. Si quelqu'un a répondu, dommage, je suis désolé, mais j'ai pas entendu. Attention zigzag pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la sortie 10, la sortie Mérignac là sur la rocade. Attention zigzag, zigzag pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh ben c'est pas grave, si t'es derrière, allez, bonne 73-51 de Dundee 33 au niveau des feux là, de la sortie 10 à Mérignac. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis Bordelac sur la rocade. Et 73 François double 3. Bon, ça y est, c'est le Vosges. Oui, en plus, oui. Et je retourne là sur Mérignac mercredi, non, jeudi, vendredi, là ce coup-ci, ça sera en journée. Ah, ok, d'accord, très bien. Ça va te changer. Et 73 à la station, j'ai entendu derrière que je retire bip, multibip, hein, de la part de Dundee 33, là sur la rocade de Bordeaux. Au niveau du lac, ah ben je jongle entre la nuit, le jour, le soir, la nuit, le jour, c'est un mini-mélo. Il y a des fois je finis par plus savoir quel jour on est. Ah, je suis trois coups. Ah, ça ne doit pas être trop facile pour la santé de gérer tout ça. Ben, avant je faisais que des nuits, donc là effectivement ça allait très bien. Là c'était bon. Mais là, au secours, au secours, au secours. Enfin bon, bref, j'ai du boulot, c'est déjà pas mal. Tout à fait, tout à fait. Mais enfin bon, un coup de nuit, un coup de jour, il y a un moment où le corps il doit moins suivre quand même. Tu dois être un peu fatigué. Ouais, je sais bien. Je m'en rends compte, hein, surtout du côté neurones. Quand ça commence à faire un petit peu n'importe quoi, à oublier un peu trop facilement des trucs, ça, je sais d'où ça vient. Hein. Eh ben. Ah oui, mais bon, il faut bien gagner sa croûte. Ah oui, 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 bon, mais. Ah ça, c'est pas pour moi, c'est sûr. Alors là,
Je peste déjà assez ceux qui nous coûtent cher à ce niveau-là. C'est certainement pas pour en faire autant. Bon, je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Ah ben j'étais en train de mieux en mieux, mais moi je me rapproche, tu vois. J'étais chopé, j'étais à Ambès, tu vois, ça passait pas trop mal quand même. Ouais, bon, entre nous, il y a un fleuve aussi, hein. Ah mais c'est pour ça que ça marche bien, on a du matériel au top. Là, tu m'étonnes. Ah tiens, justement, puisque tu vas dans mon sens, enfin je veux dire, tu viens vers moi. Alors le point d'Aquitaine, dans le sens de la montée, c'est le QRO, hein. Dans le sens de la descente, c'est QRO, mais bon, ça commence à ralentir un petit peu. Les gens, ils ont pas l'air très pressés ce matin, mais bon, ça roule quand même bien. Oui, oui, mais je vais me dépêcher parce que j'ai rendez-vous à 8h à Mérignac, mais le problème c'est que si je traîne un peu trop, ça fera 8h demain, alors c'est pas bon. Ou que le signal monte, il monte. Oui, peut-être, oui. Et quoi que, t'as rendez-vous à 8h, mais est-ce que tu sais au moins quel jour? C'est ça, normalement c'est aujourd'hui, c'est ce que je te disais. Mais si j'arrive demain, ça va faire un bordel pas possible. Tu pourras toujours leur dire qu'il n'est pas encore 8h. Non, c'est pas toi que je croise, ou t'es pas loin. Ah non, tu me croises pas, je suis au niveau de Saint-Louis de Montferrand, alors tu me croises pas, si t'es sur le pont. Putain la vache, j'ai pas mes lunettes, mais à mon avis, tu m'as bien fait à cette Diagonef. Ah, tiens, ça ralentit encore un peu plus. Non, c'est pour ça que je te disais que ça passait bien, parce que quand je t'ai confié tout à l'heure pour la première fois, j'étais à Ambès. Ah, faut dire aussi que j'ai une très bonne antenne. J'ai une Wilson 5000. Ça marche. Ben écoute, oui, ça a l'air là, que tu passes bien d'habitude, ouais, y a pas de problème. Moi j'ai une bulle trucker, je sais pas si tu connais cette antenne. Ah bah toi aussi, oui, affirmatif. C'est le cabin d'huile ou l'autre? Ok, donc, ah oui d'accord, donc c'est pas celle à bain d'huile. Parce qu'il existe plusieurs versions justement de la bulle. T'as effectivement celle qui s'éclaire en vert, qui montre bien tout le monde quand tu as le micro à la main et t'es en train de parler dedans. T'as une striker aussi là, qui est comme ça, là, qui éclaire bleu, elle, je crois, si je me trompe pas. Et tu as aussi celle pour les grosses puissances, où, bah, qui est refroidie à bain d'huile. Bon, il y a plusieurs autres versions aussi. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait une grande famille. Non, je connais pas les autres, tu vois. Moi, c'est sur les conseils d'un professionnel de vente qui est sur la Nationale 10. Je lui ai dit ce que j'avais, ce que je faisais, où est-ce que j'ai arrêté. Il m'a dit, achète ça, je voulais acheter une tente au nom de ça. Il m'a dit, prends ça, c'est mieux. Et franchement, je suis super content. Ah bah tu m'étonnes, de toute façon, sur les camions, surtout quand c'est mis sur les rétros, tout ça, bon là il y a forcément des problèmes de masse, donc tout ce qui est antenne avec self à la base, c'est pas le top, ça a du mal, hein, justement avec des masses qui sont pas trop top, alors que des antennes comme celle que tu as avec self au milieu, enfin au milieu, je m'entends, hein, avec self qui est beaucoup plus haute, ou alors antenne hélicoïdale, tu sais, les torsadées. Là, par contre, ça, c'est deux types d'antennes qui marchent super bien, justement, sur et quand elles sont mises comme ça sur des rétros. Mais moi, elle n'est pas sur le rétro, elle est derrière la cabine, fixée sur une pas fixée sur la carrosserie, et sur des fixations d'origine. La cabine, mais elle dépasse beaucoup parce qu'elle est haute, elle dépasse beaucoup des déflecteurs et tout, donc du coup je lui parle, mais il n'y a pas de souci, ça va dans les sens. Ah oui, de toute façon, au niveau choix d'antenne pour les camions, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de regarder ce qu'il y a sur les camions américains. Hein. Et là, quand tu vois que c'est toujours le même type, les deux mêmes types d'antennes, c'est qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est forcément de ce côté-là qu'il faut aller. Quoi. Oui, pour l'instant, j'en suis content, je ne regrette pas mon achat, et puis ça fonctionne bien, le gyrocar fonctionne bien aussi, impeccable. Ah oui! Ah oui, il fonctionne bien parce que bon là je viens d'arriver, je suis en train d'arriver en haut de la sortie 26. Donc tu vois, ça passe toujours bien. Hein. Ah
Ok, bon, il a fallu que je dise ça pour que je suis pile là au niveau des feux. J'ai un peu de QRM ici. Il a fallu que je dise ça pour te perdre un petit peu. Mais bon, là, je devrais. Alors, encore quelques mètres. Et je devrais pouvoir te récupérer à nouveau. Ouais, là ça devrait. Ouais, ça devrait le faire. Affirmatif, c'est nickel, nickel. Je t'ai perdu un peu, puis là, t'es revenu. Ah, tu m'étonnes, juste au moment de passer sur le pont qui enjambe la rocade pour attraper après. La nationale 89 direction Libourne. Eh oui. Le pont, il est en quoi? Il est béton. C'est du béton armé. Il y a de la ferraille dedans. Donc là, côté plan de masse, tu te régales. Et le pont d'Aquitaine, à chaque fois, je m'éclate hein, dessus. Bon, ben, tu mets-toi sur le pont d'Aquitaine. Voilà, tu me confiches, je passe tout le monde. Là, il n'y a pas de problème. Alors, oui. Mais pas pour tous ceux qui sont vers l'est, quoique aussi quand même. Parce que bon, c'est un pont en fer au-dessus de la flotte. Alors là, c'est sûr que là, c'est roi carotte. Bon, je veux pas de problème, mais vers l'est, là-bas, il y a la guerre. Moi, je veux pas y aller. Donc, je vous dis, vers l'ouest, et puis il y a l'eau là-bas, c'est mieux. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est sûr que là, t'as entièrement raison. On est très bien ici. Pourtant, là, tu vois, je vais me rapprocher un petit peu puisque ben, je rentre au QRA. Hein. Donc, à côté de question, la bataille. Oui, je sais bien, ouais, tu m'avais dit, ouais. Ok. Bon, dis lundi, je vais te laisser continuer parce que je vais descendre aller chercher la remorque. Les amitiés, rentre bien, bonne nuit en pleine journée et puis à plus au plaisir sur la module. Ok, ça marche. Et puis là, ce matin, je vais avoir droit à un bon lever de soleil. C'est bien parti pour, j'ai ça droit devant moi à l'horizon, c'est un petit peu rougeâtre dans le lointain, ça commence à pointer le bout de son nez. Ok, bonne route à toi, bonne journée, merci pour ce petit QSO, à plus. Y'a pas de soucis, au plaisir, bonne continuation, bye bye, à bientôt. Merci, bye bye. Quelque chose. Alors 6h53, je dis ça pour vérifier après avec ce que j'ai là, sur la seconde caméra qui cavale trop vite. Bon, là c'est calme, je vais. La Belette, ça, les 73-51, la Belette, si c'est toi, enfin bon, peu importe qui c'est, de la part de Dandy 33 sur la nationale 89, je suis en train d'arriver du côté de la poste. Il y a un joli lever de soleil devant, je sais pas si la caméra va bien le retranscrire, le mettre bien joliment. Ah ben il y en a qui roulent vite ce matin. Bon alors les couleurs, droit devant, et ben c'est rouge. Rouge feu. Je laisse tourner un peu la caméra exprès comme ça. Hein. Ça module dans le lointain, mais bon, j'entends que la voiture ne bip. Ouais,
pas si c'est... Il y a quelque chose de lointain, mais... Je suis pas sûr. Je vous laisse un petit peu là, admirer là, ce lever de soleil. Alors, sur le forum, la planète Sibi francophone, bon, il y a les rubriques pour les questions-réponses, installations, tout ça. Il y a aussi les rubriques bidouilles. Bidouilles diverses, électroniques, tout ça. Bidouilles antennes, bidouilles postes. Sur le groupe Facebook du même nom, il y a une y a un sous-groupe qui a été créé pour regrouper justement quelques trucs dedans, justement dans ce sens-là, plus radio amateur. Voilà, donc pour ceux qui sont sur Facebook, eh bien, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors ça s'appelle dépannage, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans le titre. Bah bon bref, quand on arrive sur le groupe La Planète CB francophone, il suffit de regarder en haut, il y a marqué sous-groupe, tac, on rentre dedans et on voit, là c'est que de la technique, hein, pas autre chose que la technique dedans. Il y a même des cours, des trucs de cours de radio amateur, de partager dedans et tout. Bon bref, sur le forum, il y en a évidemment 50 fois plus de tout ça. Donc pour le côté Facebook, bon, c'est toujours bon à savoir. Cette nuit encore, j'ai partagé dedans quelques trucs assez coriaces. Dans le style des hackers radio amateurs. Alors là, comprends qui peut. Hein. J'ai partagé, mais j'ai rien compris. Allez, un dernier petit coup de lever de soleil. Ah, on ne le voit pas. Si on le voit dans la seconde caméra, comme moi je le vois sur le petit écran qui est derrière, c'est moyen. Bon, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. J'en profite. Le samedi, je crois que c'est 28 juillet. Bon, de toute façon, c'est le dernier samedi du mois de juillet. Il y a le salon de marraine qui va se faire. On y sera. On aura notre stand comme avant. Ça, c'est cool. Donc, l'activation avec. Hein. Le matériel que j'ai au QRA, c'est-à-dire le SRT 7009, sera installé sur place à disposition des stations. Avec l'antenne Président Himalaya R5 de monter à 6 mètres de haut dans la remorque. Ça va le faire. Ouais. Ça va le faire très bien. Alors du côté du REV 17, je ne sais pas comment ça va se passer. De toute façon, d'ici là, tout devrait être levé normalement, hein, au niveau des restrictions et tout. Donc ça devrait le faire. Pour nous, de toute façon, l'hôtel est déjà réservé, ça c'est fait.
Allez, on va arrêter là la vidéo. Les 73, 51, 212, 88 et tous les autres chiffres qui vont bien dans le sens. Et bonne journée à tous. Alors, je rallume un peu la caméra. C'est pas parce que j'ai entendu un truc à la Sibi. C'est pour le paysage. Le ciel, plus précisément. Il y a un reflet du soleil sur le nuage là qui est en haut, là, droit devant. Ça fait pas mal sympa. J'espère que le rendu sera bon sur la caméra, sur la vidéo. On parle toujours de coucher de soleil, mais en fin de compte, entre un lever et un coucher de soleil, de toute façon, il n'y a pas de différence. Hein. Juste la direction. Parce qu'une fois quelqu'un, une YL, qui m'a fait le coup de me dire que le soleil se levait à l'ouest. Mais bien sûr. C'est vraiment sympa. On dirait un brasier.